mesdames et messieurs, c'est avec joie et un immense plaisir que je prends la parole ce jour, samedi 19 novembre 2022, dans cette majestueuse salle du Palais des Congrès de Cotonou, pour vous souhaiter à tous, au nom du comité préparatoire et en mon nom propre, la bienvenue à cette cérémonie d'investiture des candidats de notre parti pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Et vous souhaitez, par la même occasion, mes chaleureuses et militantes salutations. Je voudrais ensuite vous remercier d'avoir effectué massivement le déplacement pour porter haut le flambeau de notre formation politique. Comme vous vous l'imaginez, c'est avec beaucoup de fierté que nous vous accueillons, vous, nos hôtes, venus de toutes les contrées de notre pays, surtout ceux venus de très loin, pour répondre à l'appel de notre parti. Chers camarades, mesdames et messieurs, la cérémonie d'investiture que nous organisons ce jour, loin d'être une activité politique ordinaire de notre parti, est un test grandeur nature de mise en condition de nos candidats pour affronter les législatives du 8 janvier prochain. Il importe par ailleurs de noter que l'organisation de l'événement de ce jour est l'œuvre collégiale des membres du bureau politique, mais aussi et surtout des militantes et militants chevronnés du parti qui se sont tous volontairement engagés et ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit sous le leadership des membres du comité préparatoire à qui j'adresse au passage mes sincères félicitations pour la qualité du travail abattu. Chers camarades, mesdames et messieurs, je voudrais me faire le devoir de remercier le très haut camarade, le secrétaire général national du parti, pour avoir initié la tenue de la présente rencontre. Sans fausse modestie, il s'agit pour notre parti d'une activité novatrice. Et je ne vous cache pas que nous, républicains, sommes admirés par plus d'un. Je voudrais en outre saluer la disponibilité du personnel du siège national du parti qui a, tout au long des préparatifs de la cérémonie, apporter un appui opérationnel de taille au comité préparatoire. Recevez ici donc notre reconnaissance et nos remerciements. Chers camarades, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans nous souhaiter de passer ensemble d'agréables moments porteurs de chance à notre parti pour les prochaines joutes électorales. Pour vous, nous avons mis les petits plats dans les grands et vous le méritez parfaitement. Enfin, au nom de tous les membres du comité préparatoire et en mon nom propre, je souhaite bonne chance à tous nos candidats. Une seule invite, ramenez-nous le perchoir de l'Assemblée nationale au soir du 8 janvier 2023. Le Tout-Puissant nous accompagne. Vive le Bloc républicain, plus uni, plus fort, pour construire le Bénin. Je vous remercie. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je vous retrouve ici à l'occasion de la présente cérémonie qui marque donc l'investiture de nos candidats à la députation pour l'élection législative du 8 janvier prochain.
Une telle investiture de nos candidats s'inscrit dans la droite ligne des formalités internes prévues par les statuts de notre parti. Les statuts, uniquement les statuts. Donc, contrairement à ce que disait mon ami tout à l'heure, on n'a pas tenu compte de considérations personnelles, amicales ou même sociales. Mais les formalités administratives avec les organes en charge des élections effectuées avec succès, c'est pour moi une circonstance singulière. De me réjouir du travail abattu et qui a permis à notre parti d'être connu comme le seul parti dont les dossiers ne souffrent d'aucune insuffisance et de recevoir donc en premier notre récépissé définitif pour cette élection. C'est le lieu donc de saluer l'engagement de chacun et de tous pour cette belle contribution à cette première victoire qui honore notre parti, le Bloc républicain. Permettez-moi donc de féliciter ici les membres du Bureau exécutif national qui se sont acquittés de cette tâche. Les membres du Bureau politique qui ont participé également aux travaux. Les membres du secrétariat administratif et surtout nos jeunes volontaires qui ont travaillé de nuit et de jour pour que ces dossiers soient sans faille. Chers amis, chers camarades, comme vous pouvez vous en douter, notre objectif désormais est celui de la victoire finale, celle qui érigera le Bloc républicain au rang du parti majoritaire à l'Assemblée nationale au terme du scrutin du 8 janvier 2023. C'est-à-dire que nous voulons le 8 janvier célébrer le fait que nous serons à cette date le plus grand parti du Bénin. Je sais que l'exercice de sélection et de constitution de la liste a été l'un des plus difficiles et des plus pénibles exercices, en tout cas pour tous ceux qui ont participé dans la direction du parti. Plusieurs considérations internes ou externes au parti, des considérations stratégiques, légales ou réglementaires, ont pu déterminer la présence ou non sur la liste, ainsi que les positions sur la liste dans chaque circonscription. Ce sort est à l'origine des sentiments divers et variés. Aux camarades qui ne sont pas sur la liste, je veux ici et devant tous dire qu'ils n'ont pas démérité. À ceux qui ne sont pas satisfaits de leur positionnement sur les listes, je veux aussi dire qu'ils méritent certainement mieux. J'en suis conscient et c'est seule conscience de votre valeur pour notre parti qui est déjà pour nous et pour vous aussi une victoire. Et je veux dire ici solennellement que le parti saura se souvenir de votre engagement, de votre esprit de sacrifice et de votre discipline pour soutenir le groupe. Le Bureau politique veut à cette occasion symboliquement reconnaître et saluer ces vertus dont ont fait montre tous les candidats malheureux à la candidature en leur décernant une attestation, certificat de candidat à la candidature, gage de l'attachement et de la reconnaissance du parti pour leur militantisme exemplaire. Merci donc à tous ces camarades. Et je veux ici saluer particulièrement l'un parmi eux, qui s'appelle Adjaï, et qui, à Calavi, a participé à tous les travaux avant, et qui aujourd'hui n'est pas sur la liste, mais qui soutiendra cette liste. Chers camarades, n'ont pas d'objectif autre que la victoire du Bloc républicain au soir du 8 janvier prochain. Notre victoire doit être claire, franche et nette,
Le chemin pour y arriver reste encore long. En effet, c'est à présent que le plus dur commence. Cette victoire finale que nous appelons de tous nos voeux sera possible grâce à une série d'autres victoires intermédiaires, notamment la victoire sur nous-mêmes, sur nos frustrations, nos égos, nos doutes et sûrement nos certitudes. Elle dépendra de notre détermination, de notre engagement et surtout de notre soif de la victoire. Aujourd'hui, certains ont la direction de ce Parlement. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons le 8 janvier. Nous voulons le 8 janvier leur avis cette place. Cela donc demande des efforts, des sacrifices et un engagement que je sais que chacun ici veut prendre. Chers camarades, c'est possible de le faire, c'est toujours possible et c'est certainement possible. La victoire des gens habités uniquement par l'intérêt général et l'esprit républicain. Et cette victoire nécessite notre dévouement personnel et collectif, sans exception. C'est pourquoi j'appelle les militantes et militants du Bloc républicain, où qu'ils se trouvent, à une mobilisation générale pour notre victoire. Nous pourrons compter dans cette dynamique sur des candidats référents, des candidats d'honneur. Ces candidats d'honneur, pétris et baignant dans la vie politique, sont dépositaires d'une expérience éprouvée des joutes électorales. Leur présence rassurante, leur soutien, orientation et disponibilité seront indéniablement un atout majeur pour la victoire. Ces candidats d'honneur, ce sont nos camarades, nos candidats à l'élection du 8 janvier 2023, qui sont membres du bureau politique, qui sont ministres, qui sont députés, mais qui ne sont pas candidats ou qui ne sont pas reconduits pour défendre leur siège. Chers candidats d'honneur, nous avons besoin de votre expérience, de votre savoir-faire et de votre connaissance du terrain. Je veux, camarades, que nous applaudissions encore plus. Donc, chers candidats d'honneur, nous avons besoin de votre expérience, de votre savoir-faire et de votre connaissance du terrain. Je veux ici et je vous demande la permission de saluer spécialement deux personnes, deux honorables, qui se sont distingués dans l'exercice, dans ces fonctions de candidat d'honneur que je viens de rappeler. Il s'agit de l'honorable Zoumarou Walis, qui n'est pas là ce matin, et de l'honorable Sado, pour leur contribution en remarque. Pour leur contribution remarquable à la vie politique du parti et à la vie du parlementaire. Merci d'accepter votre installation en ce jour, chers camarades, dans vos fonctions de candidat d'honneur. Notre présence majoritaire à l'Assemblée nationale est la clé de salut du parti et la préservation de l'intérêt général et de l'équité territoriale si chère à notre parti. Je nous exhorte donc à l'union et à la synergie des actions pour permettre au Bloc républicain d'aller plus loin, beaucoup plus loin encore, et toujours de l'avant. Notre programme de législature, parce qu'il s'agit d'une élection législative, vise essentiellement à accompagner le président Patrice Talon dans sa quête permanente du développement économique et social de notre pays. Un développement économique et social pérenne qui repose sur le travail bien fait, l'équité sociale et la promotion du capitalisme d'excellence dans un environnement pacifié. Permettez donc, mesdames, messieurs, chers camarades, que je rende ici solennellement l'hommage qu'il mérite à notre président de la République, au président Patrice Talon, dans la direction de notre pays, pour sa vision sur la gouvernance. Son engagement pour le développement de notre pays et sa préoccupation de tous les jours pour le sort de chaque Béninois et chaque Béninoise.
De façon spécifique, notre programme de législature est structuré autour de quatre axes. Premièrement, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, notamment des jeunes et des femmes. Deuxièmement, le renforcement de la résilience de notre pays vis-à-vis des chocs de toute nature, économiques, climatiques, sociaux, sanitaires et sécuritaires. Troisièmement, l'affermissement de la cohésion nationale. Et quatrièmement, le développement durable. Notre combat politique en tant que libéraux au Parlement, c'est de créer les conditions de développement propices et durables en mettant en place l'encadrement juridique et l'accompagnement nécessaire pour libérer les énergies individuelles, les entreprises innovantes dans un contexte d'accompagnement de l'État responsable et durable. Seul notre parti, le Bloc républicain, peut relever le défi de ce développement individuel et collectif, prospère et durable, dans la consolidation de l'unité nationale et de l'État de droit. C'est pour cela que nous investirons le Bénin tout entier, de Soava à Bembéréké, en passant par Tchaourou et Bassila, de Cotonou à Boukoumbé, en traversant Dassa, pour toucher toutes les couches de notre population, les plus jeunes, les femmes surtout, partout donc dans notre pays. La pluie, le soleil ou la matin ne nous arrêteront pas pour gagner le moins de suffrages, tous les suffrages de nos populations. Dans cette stratégie, nos structures de base, et je répète encore, nos structures de base sont la clé du succès. Chaque membre de la structure décentralisée, chaque membre fondateur et chaque nouvel adhérent doit faire un point d'honneur à convaincre et obtenir le vote favorable d'au moins 100 électeurs. La première des choses, c'est notre comportement qui doit être inclusif pendant la campagne. Faire en sorte que tous les membres du Bloc républicain, membres actifs comme sympathisants, soient impliqués réellement dans la campagne. Parce que s'ils ne sont pas candidats institut personnel, ils sont candidats au nom du parti. Ils sont alignés pour conquérir quelque chose de grand. Et c'est après la conquête que tous les membres vont partager la victoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne faisons pas l'effort de gagner, tous ceux qui sont candidats d'honneur, tous ceux qui sont félicités et tous les autres, ils ont perdu. Ils n'auront rien à partager pendant les trois prochaines années. Vous savez que le parti politique, c'est pour conquérir la victoire, c'est pour gérer le pays après la victoire. Est-ce que nous sommes prêts à trahir nos camarades qui ne sont pas alignés directement? Si nous sommes prêts à ça, on n'a qu'à continuer de les écarter. Est-ce que nous sommes prêts à construire le parti? Si nous sommes prêts à construire le parti, alors comportement inclusif. Faites en sorte que celui qui n'a pas son nom soit le premier titulaire pendant la campagne. Donc, limitez au maximum les frustrations. C'est très important. On n'est pas en élection présidentielle où c'est un nom. C'est moi le candidat, tout le monde me suit. Ici, c'est un scrutin de liste. Le scrutin de liste, tous ceux qui sont sur la liste, premier jusqu'au dernier suppléant, premier titulaire jusqu'au dernier titulaire, premier suppléant jusqu'au dernier suppléant, ils sont tous des premiers suppléants, des premiers titulaires. Ils sont tous des premiers titulaires. C'est pour ça que le SGN a parlé tantôt des candidats d'honneur. C'est vrai qu'on a trouvé un critère pour dire candidat d'honneur, limitons-nous aux ministres qui ne sont pas alignés, limitons-nous aux députés qui ne sont pas alignés, limitons-nous aux membres du BP qui ne sont pas alignés, mais
Ma maman, qui est encore à Dassari, qui est à la maison, là, elle est candidate d'honneur. Nous devons tout faire pour les convaincre à cela. Être positionné n'est pas un diplôme acquis qu'on va exhiber dans notre chambre ou à nos amis. Être positionné, c'est avoir la mission de faire preuve d'humilité. Et ce travail en équipe, s'il est fait en équipe, il va nous donner la victoire. Mais faire la campagne en équipe, c'est bien. Mais attention, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Vous faites la campagne, d'autres vous pensez qu'ils sont en train de dormir. Mais à la fin, c'est eux qui ont gagné. On se connaît au pays ici. Et nous savons, la fraude fait partie des élections. C'est pour ça que la loi dit les moyens pour combattre la fraude. Si la fraude ne faisait pas partie des élections, des dispositions particulières ne devaient pas être prises pour contrecarrer la fraude. Et ce que la loi nous donne comme moyen, c'est des mandataires, des représentants, des candidats, des représentants, des partis. C'est dissuasif. Pour choisir les mandataires, c'est très important. N'allez pas choisir des gens parce que vous voulez leur donner du boulot. N'allez pas choisir des gens parce que, bon, c'est des camarades. Choisissez des gens, dès qu'on les voit au bureau de vote, on doit avoir peur d'eux. On doit craindre leur présence pour faire les bourrages d'urnes. Évitons le copinage dans le choix. Soyons vraiment fermes. Si nous réussissons à cela, je suis sûr que le scrutin sera, notre victoire sera garantie. Dans beaucoup de communes, je peux citer Louémé, la 19e, la 20e, tout le monde raconte ce qui se passe. C'est un secret de polichinelle. Mais si nous nous mangeons entre nous les nez pendant la campagne, il faut être sûr que même si on met nos gens, on ne pourra pas les contrôler et puis ils vont subir ce qu'on subit d'habitude. On est fort, mais on n'a pas la victoire. C'est une contradiction terrible. C'est ça. Pour éviter cela, il faut que nous soyons lucides, sans amis, sans copinage, dans le choix de nos mandataires. Et bien les traiter. Si on ne les traite pas bien, peut-être qu'ils n'ont pas la même conscience militante que nous. On ne sait jamais. Et il faut bien les traiter pour qu'ils aient la conscience militante pour garantir la victoire de notre parti. Deuxième mesure dissuasive, les huissiers que nous déployons. Ailleurs, dans d'autres localités, je connais très bien l'autre localité ici. Je vais citer quand même Kobli, par exemple. Là-bas, c'est on force comme ça, on prend comme ça, on force. On te fait le truc devant toi-même. Tu vois. Mais la loi ne t'a pas dit, va arracher. La loi dit, mais il sait pour constater. C'est pour ça, le président Gaulois du travail. Il nous faut dès maintenant présélectionner nos huissiers. Quand vous voyez la configuration des partis, il y a quelque part où les gens se disent beaucoup plus juristes, beaucoup plus avocats, donc beaucoup plus en même de caporaliser le système qui nous permettra d'avoir des preuves. En plus de l'organisation à toute épreuve, il faut aussi beaucoup de motivation. Il faut maîtriser son sujet et aussi maîtriser le produit que nous allons vendre. Donc c'est autour de ces grandes lignes que nous allons brièvement vous présenter le dispositif organisationnel que le Bloc républicain a prévu pour l'ensemble des circonscriptions électorales, pour les candidats en liste et pour les différentes structures à la base qui sont chargées d'accompagner, d'animer et d'accompagner les militantes et les militantes à assurer une victoire certaine au Bloc républicain. Donc, le Bloc républicain pour une victoire au 8 janvier 2023. Au niveau national,
Donc, au niveau national, nous avons le coordonnateur national de campagne en la personne du secrétaire général national, Abdoulaye Diotiané. Il est secondé par deux adjoints plutôt, le premier adjoint, le président Robert Guyan, secrétaire général national adjoint. Ensuite, le premier rapporteur, qui est Madame la ministre Adida Toumatis, le deuxième rapporteur, l'honorable Barthélémy Kassa, le troisième rapporteur, Monsieur Janvier, l'honorable Janvier Awedou, le quatrième rapporteur, Monsieur Emmanuel Golou, qu'on ne présente plus. Il y a un certain nombre de comités techniques qui ont été prévus pour accompagner la mise en œuvre des stratégies par le comité stratégique national. Nous avons le comité technique chargé du matériel et de la logistique, qui est chargé de déployer toute la logistique, le matériel, dans les 24 circonscriptions électorales, afin d'assurer une meilleure fluidité à la campagne électorale. Le comité technique chargé du scrutin, qui va se charger de toutes les questions liées effectivement au dispositif organisationnel pour le vote, les comités chargés évidemment de la surveillance du vote, etc. Nous avons ensuite le comité chargé de la communication, qui est un peu la cheville ouvrière, un peu de la victoire du Bloc républicain, parce que sans une bonne communication, il est évident que malgré le travail des différents candidats sur le terrain, nous ne pourrons pas atteindre la victoire. Nous avons ensuite le comité technique chargé de la gestion du contentieux électoral. C'est un comité aussi important qui va mettre à la disposition des candidats dans toutes les circonscriptions électorales, des huissiers de justice, en tout cas les avocats, etc., pour d'abord sécuriser le vote, mais aussi prévenir le contentieux électoral et prendre toutes les dispositions pour que, s'il y a contentieux électoral, le Bloc républicain puisse avoir les éléments de preuve nécessaires pour avoir gain de cause. Cette cérémonie, c'est pour officialiser les positionnements et lancer la bataille qui va nous conduire à obtenir le maximum de députés au soir du 8 janvier 2023. Il s'est agi de mettre chaque acteur de la liste dans son rôle et on a profité en même temps pour nous rappeler les différentes stratégies de campagne qu'on aura à dérouler sur le terrain. C'était aussi lieu de remercier tous les candidats, appeler les candidats d'honneur, tous ceux-là qui étaient des personnes susceptibles d'être sur la liste, mais qui ne l'ont pas été. Maintenant, officiellement, le parti les a reconnus comme des candidats d'honneur. Et leur rôle fondamental, c'est d'accompagner les différents candidats positionnés sur les listes dans les différentes démarches pour que la victoire soit républicaine. Alors, c'était une très belle cérémonie, une première d'ailleurs, qui permet justement de présenter officiellement déjà les candidats à tous les leaders à différents niveaux sur le plan national et aussi de pouvoir rassembler toutes les synergies et démontrer qu'ensemble, nous allons à la bataille pour pouvoir remporter au soir du 8 janvier les élections. Et comme on le dit, le Bloc républicain, une fois de plus, vient de démontrer sa force républicaine sur le plan national et que nous sommes vraiment unis et forts ensemble, comme le démontre le slogan du parti. Merci. Pour moi, en tant que candidat, je ne suis pas mon premier essai. Et au regard des expériences capitalisées depuis deux échéances déjà, je pense que je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que c'est un terrain prenable.
Et donc, en plus de ce qui a été fait aujourd'hui, qui constitue pour moi une source de motivation supplémentaire, je me sens dans la poursuite de celui-là qui porte une lourde responsabilité de défendre les couleurs de mon parti. Cet acte qui vient d'être fait est un acte solennel. C'est un acte novateur, d'ailleurs, même cela ne s'est jamais produit depuis l'existence de notre parti. Et que vous ayez la chance d'être choisi comme troisième titulaire sur une liste de 8 personnes, et qu'en plus de cela, votre liste tout au long du processus jusqu'à la Sénat a été déclarée la meilleure liste sans avoir pu obtenir des observations de la part du Sénat, et qu'au finish, on vient vous investir, je pense que ça ne peut pas être, on ne peut pas vivre mieux que cela. Donc il y a autant d'éléments qui se sont mis dans la balance pour nous motiver à faire, à donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, je peux vous rassurer de ce que, par ce tas qui vient d'être fait, ça me donne du boum au cœur. Ça me donne du boum au cœur. Et je quitte ici aujourd'hui, c'est pour donner rendez-vous à mes sympathisants, à des militants, à tous ceux-là qui me portent dans leur cœur et qui sont aptes à défendre valablement les couleurs du parti que, incessamment, nous allons commencer par mouiller le maillot. Et la victoire, ou du moins nos efforts, seront couronnés de succès. Nous venons de prendre part à une cérémonie d'investiture, une très très belle cérémonie. Une cérémonie qui vient couronner toute la préparation du Bloc républicain. Préparation de qualité. Et déjà au niveau des candidatures, nous avons déposé à la Sénat un dossier sans reproche. Nous sommes le premier parti à avoir reçu le récépissé définitif. Et tout cela témoigne d'une très bonne organisation. Une très bonne organisation qui, en fait, est la conséquence de ce que nous-mêmes nous sommes. Un parti bien organisé, un parti bien dirigé, un parti où les choses se conçoivent comme cela se doit. Et tout ça devrait être couronné le 8 janvier prochain par un succès éclatant. Mes sentiments sont des sentiments de fierté, de grande satisfaction. Satisfaction pour la qualité des hommes, la qualité du travail que nous faisons. Et je dois vous dire que l'occasion nous est donnée le 8 janvier prochain de démontrer que le Bloc républicain est le plus grand parti du Bénin. Nous sommes le plus grand parti du Bénin, incontestablement, et nous allons le démontrer le 8 janvier prochain.